t'imagines, on tombe sur un petit trésor. Yo tout le monde, c'est Squeezie, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Bad Boy. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tout simplement un jouet que j'ai acheté au supermarché. Donc c'est un détecteur de métaux, parce que bon, pas trop les moyens pour acheter un vrai. Mais voici le détecteur de métaux que je vais vous présenter. Donc on va le déballer, hein. On va le déballer, on va l'essayer ensemble. Et peut-être même aller à la plage, parce que la plage c'est pas loin. Et on va essayer de trouver. Alors d'après l'image, on peut trouver des clés, des bagues, etc. Alors trouver des objets métalliques. Après c'est écrit dans toutes les langues, hein. Ajuster la sensibilité. Donc je pense qu'on pourra ajuster la puissance de la trouvaille du métaux, hein. Peut-être, donc il y a un écran digital avec et une tête de détection amovible. Donc ça a pas l'air très grand, hein. La boîte fait à peu près 25 cm. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Là, je vais ouvrir la boîte. Merci. Pas besoin de couteau, mais je suis c'est un couteau quand même. Comme un enfant devant cette boîte. Donc là on a un manche. On a le détecteur de métaux. Alors c'est très très jouet, hein. Mais bon, peut-être que ça fera du miracle, hein. On est là pour l'essayer. Et ben, le reste du manche, que ce soit un peu plus long. Et là on a une petite notice d'utilisation. Par contre, petit bémol, il faut des piles. Et on n'a pas de piles. Donc on va lancer tout de suite. Alors, nécessite une pile non fournie. Bah, c'est super. On va arrêter la vidéo là. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Je n'ai pas de pile. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine et abonnez-vous. Salut. Ok, on se retrouve dans quelques instants. Je vais chercher des piles et on fait tout ça. A few moments later. C'est bon, on a trouvé une pile. Donc allez, c'est parti. On va pouvoir essayer cette fameuse machine. Détecteur de métaux. Qui est d'avoir l'assemblage. Bon, ça doit pas être bien compliqué. Voilà, c'est bon, j'ai monté la petite machine. Donc là, on constate bien qu'il y a le petit bouton sensibilité. Là, on constate qu'il y a un autre bouton volume. Et là, le petit écran digital qui fait ben, rien du tout. Il est vraiment tout petit. Donc allez, il faut que je trouve où il faut mettre les piles. Il faut un tournevis. Il faut rechercher un tournevis. Le mec qui a pas du tout préparé sa vidéo. Ok, c'est reparti, j'ai trouvé un tournevis. Ok, plus simple que ça, ça n'existe pas. Ok, c'est parti, la petite machine est en marche. Regardez, le petit écran digital qui est déjà en train de détecter des métaux. Attention, donc en fait, ça s'allume dès qu'on met la pile. Il n'y a pas de bouton marche arrêt. Ok, ça sert bien à pomper l'argent de toutes les personnes. Donc on va essayer ça tout de suite. On va augmenter le volume à fond. Je sais pas comment il est à fond. Ok. What the fuck? Ah. Ah, c'est bon, on a trouvé le truc. Tu peux rien faire. Non. Pour enlever les piles, à chaque fois que tu trouves un truc, pour enlever les piles. T'as trouvé une pièce, hop. Ok, donc c'est reparti. Donc il y a un petit problème, le détecteur de métaux a déjà détecté un métaux et du coup maintenant dès que je l'allume, ben, c'est resté bloqué sur le bruit. Et j'ai enlevé les piles, j'ai remis et ça continue à faire ce bruit de merde. Donc on voit vraiment que c'est un jouet
Et du coup, bah, si je peux plus l'utiliser, bah, je me suis fait bien arnaquer 27 balles. Donc, je vais couper la vidéo. On se revoit dans quelques instants. Je vais essayer de régler ce petit souci. Et on va l'essayer dans le jardin avec quelques petits objets. Et puis, un peu plus tard sur la plage. Allez, à tout de suite. Après un léger contretemps avec l'objet, j'ai enfin trouvé la solution. Donc, il y a des petits problèmes. Moi, j'ai déjà trouvé c'est quoi la faille. C'est qu'un joint, il a pas coûté trop cher. Il peut pas faire office d'un vrai détecteur de métaux. J'ai un ami qui allait cacher 3 objets. Donc, une bague, une clé et une pièce. Donc, on va aller chercher ça. Et on se retrouve dans mon jardin. Mec, je te jure, faut que ça se trouve parce que je m'en souviens plus. Alors, je vais cacher des petits objets dans le jardin. J'espère qu'on va les trouver. T'imagines, on les perd vite. Même moi, je m'en souviens plus. Je sais plus où j'ai mis. Ah, y'a bon. Bon. Donc, je suis en présence du petit objet. Donc, vous pouvez constater. Là, il y a une sorte de sensibilité. Si j'augmente la sensibilité, il y a un petit bug. Et on entend le bruit comme si ça a détecté. Du coup, je vais baisser un peu la sensibilité et je vais chercher dans ce périmètre là. Allez, c'est parti, je vais commencer ici. Donc, normalement, ça bip quand l'objet est très près. C'est le but. Allez, c'est parti. C'est sûr, je vais jamais le trouver. Ouais. T'as caché là, là, quelque part. Quelque part dans ce périmètre. C'est ça que t'as caché tout seul. Oui. C'est sorti le bloc. Non. Ah, t'imagines, on tombe sur un petit trésor. Il va jamais trouver. C'est sûr, y'a rien. Oh. On a perdu ma clé à vie. Ça me stresse parce que je sais que t'es pas loin, tu vois, vu que c'est là. Et je sais que putain, t'es déchouillant mon gars, mais là vraiment, vraiment, vraiment. C'est censé détecter pas, c'est aléatoire mon gars. Ah si. Ah, je t'ai dit, tu chauffes en vrai. Mais ça détecte pas. Mais ça détecte. Ça détecte pas mon gars. Bah ouais. C'est de la grosse chance. Mais regarde celle-là. Bah oui, il faut que ça colle, genre. Faut que ça colle. Ah, mais c'est. Ouais, et puis c'est petit. On a handicapé la même. Hein. Ah, il y a une plante, c'est bon. Mais la plante. Ouais, faut toucher, attends, comme ça. Je sais pas où. Je pense que le détecteur, il est là. Je sais pas où il est. Au final, l'objet n'a rien détecté. Et en plus, j'ai perdu 20 centimes. Donc on est de retour dans ma chambre. On a vu que c'était avec un véritable insuccès. Cette vieille machine n'a pas fonctionné en gros. Donc j'ai dépensé de l'argent pour on va dire rien. Moi je pensais que ça allait bien fonctionner, qu'il y avait quand même une petite distance et une petite marge pour trouver la pièce. Mais en fait il s'avère que pour que ça trouve l'objet en question, faut que ça soit carrément collé au détecteur. Donc si t'as envie de chercher quelque chose en dessous du sable, ben c'est pas possible. Tu peux trouver quelque chose sur le sable. Mais là à ce moment là t'as même plus besoin de détecteur, tu le regardes avec tes yeux. Donc on va tester tout ça tout de suite hein, en vidéo. Comme ça vous allez pas dire oh, c'est un menteur. Donc allez regardez, là ça détecte pas encore. Ah mais attendez. On allume la chose, on met le volume bien fort, hein, pas trop fort quand même. Donc là, vous allez voir. Donc là, normalement, bon, on est assez près, hein. Admettons qu'il y a une couche de sable ou de terre en dessous de l'objet, bah, c'est introuvable. Donc là, on va descendre. Voilà, donc vous voyez, il faut quand même 5 cm pour trouver. Donc ça se voit que c'est un jouet, que c'est pas grand chose. Moi, je vais juste acheter pour essayer. Ça fait. C'était un échec cuisant. Ah ouais, c'était un grand échec, très cuisant même. Ouais, bah ouais, c'est comme ça. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Si cette vidéo atteint les 100 pouces bleus, je vais refaire une vidéo avec un détecteur de métaux, mais cette fois-ci un vrai. Et puis cette fois-ci, on ira sur la plage, on essayera de trouver plein de trucs, ça va être cool. Donc, je compte sur vous. Avant que vous partiez, je voulais vous parler d'un dernier truc. Mon concours qui se passe actuellement sur Instagram. Donc, un concours pour gagner un t-shirt, le bad bike et une rencontre pour passer avec moi dans une des vidéos. Il y a déjà 40 personnes qui y participent. Si vous y participez pas encore, vous aussi vous pouvez y participer. Donc le concours il a commencé il y a à peu près 2 semaines. Donc si vous aussi vous voulez y participer, c'est très simple. Il suffit d'aller sur mon Instagram, il faut taguer 2 personnes en commentaire et le reste ça se passe en privé. Compte sur vous, vous êtes déjà 40. La fin du concours, vous êtes nombreux à me le demander quand est-ce que ça va se passer. Ben ça se passe quand la chaîne atteindra les 3000 abonnés. Parce que à ce jour il manque plus que 115 personnes. Donc je compte sur vous pour vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Et de partager peut-être pas cette vidéo mais une autre que vous avez appréciée à tous vos amis, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, abonnez-vous. Go.